Ça tourne là. Ok. Attends. Dégage-toi! Bon. Bonjour à tous. Ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis content de vous voir. Je suis content de vous trouver sur cette vidéo. Je suis content que vous m'ayez trouvé aussi. Donc pour la première fois, première vidéo quand même. Depuis, ça fait pas mal de temps que je comptais faire une vidéo. Et je le fais enfin. Donc, voilà, dégage. Je vais pas me gâcher ma vidéo, lui. Tu fais pas partie du truc, toi, sors. Et le mec, il veut gratter le buzz, il veut aller devant la caméra. Oh, la chaîne, elle a même pas démarré, il veut déjà gratter le buzz. C'est une dinguerie, ça. Excusez-moi. Ouais. Ah, là. J'ai déjà des haters. Regarde les haters. Les haters, ils sont déjà là. Ils veulent déjà m'attaquer. Sors. Ils me one shot, hein. Ils me one shot. Voilà. Bon, je pense que pour cette première vidéo, je vais commencer par me présenter. D'abord, on va prendre un peu de bouffe parce que sinon, on va être dans la merde. En plus, c'est les haters, ils continuent à m'attaquer. Pendant la vidéo, je vais taper les haters. Ça, c'est des petits zombies, là. C'est sûr, ils font chier. Ils ont la même tronche. Hein. Ils ont la même tronche. Ils sont pareils. Et, bref, je m'appelle Ilian. Mon pseudo, c'est Skylight. Vous pouvez m'appeler Sky, si vous voulez. J'ai 17 ans. Je suis né dans le sud d'Avignon. C'est un haters de 5e classe, lui. C'est un haters de 5e classe. Attends, mais ça ne casse pas les couilles des zombies avec des tridents. Ah, je suis hors sujet là. Pourquoi je m'éloigne, putain? Je suis assez petit. Je suis 1m61. Enfin, non, je suis même pas 1m61, je suis 1m59, un truc comme ça, donc je suis vraiment petit. Ce qui me différencie des autres, c'est il y a des gens, ils m'embêtent. Que ce soit là sur Minecraft avec le zombie qui balance des tridents, ou les trois haters qui veulent ma mort. Voilà, par exemple, putain, je me suis écrasé au sol, bravo. Que ce soit par des personnes réelles ou ils me font tout chier là. Je crois que je vais créer un autre monde, hein, ça. Vas-y, allez, dégage. Dégage, je vais créer un autre monde, allez, c'est bon. Vas-y. Qu'est-ce qui m'est arrivé là? Attends, mais je dois vite finir la vidéo, je dois l'envoyer avant minuit, frère. C'est la nuit. Donc, ce qui me différencie un peu des autres, c'est que j'ai, avec un diagnostic et tout, je suis autiste au niveau Asperger. Je considère pas ça comme une si grosse différence. Enfin, je trouve pas que ça marque une si grosse différence chez moi par rapport aux autres. Je suis différent envers parce que ce qui nous rend différent, c'est pas qu'une maladie mentale ou une voix un peu molle ou bégayante. C'est pas un style ou bien
je sais pas, une culture. Enfin, ici, quand même, une culture, ça me définit pas mal. Mais c'est le tout, en fait. C'est le tout. C'est pas que ça. C'est pas que une seule chose parmi cette liste qui nous définit. Tu peux être autiste, mais quand même être ne pas être si différent de quelqu'un d'autre. Perso, je trouve pas ça, je trouve pas que c'est un truc de merde. Enfin, c'est pas quelque chose qui me fait souffrir tous les jours. Après, est-ce que c'est vraiment utile de se morfondre par rapport à, surtout par rapport à des choses qu'on n'a pas choisies, par rapport à des choses qui avec lesquelles on est né, avec lesquelles on est arrivé dans ce monde par défaut, avec lesquelles on restera jusqu'à la fin de notre vie. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de se morfondre par rapport à ça? Je pense pas. Est-ce que ça sert aussi à quelque chose de rappeler quelqu'un qui n'est pas comme les autres, surtout d'une façon méchante? Non plus. Alors oui, certaines personnes m'embêtent. Ça arrive. Je suis absolument pas une exception. Il y a beaucoup de gens qui sont... Enfin, non. Alors oui, des personnes m'embêtent. Et c'est comme ça. Nombreuses sont les personnes qui m'ont embêté dans ma vie. Et... Attends, je peux déjà entrer dans le Nether, là? Non, je peux déjà entrer dans le Nether, c'est une dinguerie. Oh, la site de speedrunner. Et je la mettrai dans la description, hein. Regardez, j'ai une pioche en bois, je suis déjà dans le Nether. Ouais. Wow, on vient de créer le monde. Et je suis comme un con avec ma pioche en bois dans le Nether. Non, par contre, je viens de me péter parce que... Non, je vais me faire cramer, il va me casser la gueule alors que je viens d'apparaître. Non, je voulais juste faire un tour, allez, au revoir. Voilà, chatte que j'ai eu. Attendez, hop, seed. Voilà, je vous mets la seed ici. Et je vous la mettrai dans la description également. Donc si jamais vous voulez faire un speedrun en seed 7 dessus, vous pouvez. Je disais quoi? Alors oui, il y a des personnes qui m'harcèlent. Il y a des personnes qui m'embêtent. Surtout en particulier sur Discord, où j'en ai vu de toutes les couleurs au niveau des trollers. J'ai été soit cible de moquerie pour des raisons pas vraiment valables. En particulier, c'est ma façon de parler. Alors, vous pouvez constater des bégaiements et tout. Alors, tout ce qui est bégaiement, je sais pas à quoi c'est dû, mais je sais que j'ai dû aller chez un orthophoniste dans mon jeune âge parce que ma façon de parler était un peu bizarre, était un peu mauvaise. Les ozonnements aussi. Alors, les ozonnements, c'est justifié, c'est parce que j'ai un appareil dentaire. C'est pas super gênant, mais ça provoque de légers ozotements. Ouais, c'est relou, là. Qui peuvent juste donner une raison à certaines personnes de se moquer de moi. Ils ozotent, c'est fait. Ouais, t'en as vraiment, c'est des gamins comme ça, ils valent pas mieux, hein. Enfin, ils valent... Je dirais pas qu'ils valent rien, mais... Voilà, quoi, c'est des gamineries. Faut pas se concentrer sur les gamineries dans la vie. Bon, attends... Mais je divague énormément, je te jure, c'est...
Je parle tellement dans le vide, c'est une dinguerie. Attendez. Ouais, je vais vite finir la vidéo parce que après le temps que ça se déroche et tout, j'aurai plus le temps de le faire. Vous savez quoi? Juste présentation résumée là. Je m'appelle Iliane, j'ai 17 ans, je suis petite taille, moins d'un mètre 60. Je compte faire des vidéos sur le jeu Osu. C'est un jeu de rythme sur lequel tu dois cliquer sur des cercles sur le rythme des musiques. Je crée des maps sur ce jeu, mais je joue aussi. J'ai un niveau assez avancé, j'ai un niveau un peu avancé, mais pas exceptionnel. Je fais aussi pas mal de Fortnite, il y aura pas mal de Fortnite sur la chaîne. Et je ferai du Osu sur une autre chaîne qui arrivera prochainement. Sur une autre chaîne qui arrivera prochainement, je ferai du Osu, mais dans un format assez particulier qui vous plaira, j'en suis sûr. Et mon but sur YouTube, c'est déjà de réaliser pas un rêve, mais plutôt une envie de créer une chaîne YouTube qui est en moi depuis que je suis tout petit, qui est née dès que j'ai commencé à beaucoup regarder des vidéos YouTube à 8 ans, notamment que j'ai regardé des Squeezie, des Norman, des Cyprien, etc. Là où ils m'ont énormément inspiré. Et je compte surtout rajouter ma sauce et prouver que l'ancien YouTube de 2015 peut encore survivre. Enfin, le style des vidéos comme en 2015, c'est-à-dire un peu assez artisanal et pas trop mis en scène. J'espère pouvoir garder un contenu qui n'est pas trop superficiel pour garder au maximum une grande proximité avec vous, car une des choses clés chez un youtubeur, je trouve, c'est d'avoir une proximité avec sa communauté et pas de se cacher derrière un personnage qui est trop superficiel et je sais pas, trop parfait. YouTube, c'est pas la télé et je trouve que le YouTube d'aujourd'hui ressemble un peu trop à la télé et j'aime pas vraiment ça. Donc, ouais. Bon, j'ai beaucoup parlé, c'est de la merde. Je vais probablement pas faire de cut. Je pense que je vais même pas faire de cut. J'ai même pas coupé dans la vidéo. Ce sera une vidéo nulle à chier, mais juste pour pouvoir en uploader une. Ce sera ma première, et puis voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le record, parce que là, dans 5 minutes, ce sera mort. Bref, voilà, en tout cas, heureux d'avoir fait votre connaissance, et dans une deuxième vidéo que je sortirai donc juste après, parce que j'ai dû uploader celle-là, je vais uploader juste après une vidéo dans laquelle je me présenterai un peu plus en détail, et ce sera une vidéo un peu plus abrégée et un peu moins longue, ou surtout une vidéo où je divague moins, merde. Ah oui, j'ai oublié de préciser, je fais du Brawl Star et je compte vraiment faire du Brawl Star aussi sur cette chaîne. Bref, voilà, heureux d'avoir fait votre connaissance et on se retrouve bientôt sur YouTube, hein, j'espère. Allez, voilà, merci de m'avoir écouté. Ça fait 14 minutes où j'ai parlé pour rien dire. Et voilà, merci à tous. Sur ce, ciao bye! Bisous.